إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 67 dans les durus de Kitab al-Tawhid et on continue au chapitre où on avait commencé la semaine passée, le chapitre 21, al-bab al-hadi wal-ashroun, babun ma ja'a anna al-ghulu fi al-qubur al-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du fait que lorsque les gens exagèrent dans, au sujet des tombes des hommes pieux, eh bien, ça les fait devenir des idoles qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, on était rendu à expliquer qu'est-ce qu'on fait lorsque on arrive à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on veut donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est la sunnah à ce sujet-là. Et donc le cheikh, il dit « والمشروع السلام عليه من غير مكوث عنده » وطول قيام ولا تكرر زيارة أو ولا تكرر زيارة كما كان الصحابة يفعلون ذلك فقد كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا فيقول السلام عليك يا أبا بكر ثم يتأخر قليلا فيقول السلام عليكم يا أبتي ثم ينصرف. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui a été légiféré. Ah, juste avant d'expliquer ça, je voudrais juste dire que à l'avenir, inshallah, on va faire le cours après l'Asr. Inshallah, c'est comme ça, ça va être mieux. Puis on aura plus de temps. Hein, puis ce sera moins tard. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, à cause de la tempête, on fait le, après l'Asr maintenant, puis après le Maghrib, on va faire le cours encore, mais la semaine prochaine, ce sera seulement après l'Asr, bismillah. Inch'Allah. Donc, le cheikh dit, qu'est-ce qui a été légiféré, c'est de faire as-salam, quand on va pour prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va là où il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il y a la maison de Aïcha, radiallahu anha, et on va pour faire as-salam, ok. Et le cheikh il dit donc, tu y vas sans rester longtemps et sans yani t'asseoir ou répéter les visites plusieurs fois. Comme faisaient les sahaba, hein, ils restaient pas longtemps à cet endroit-là et puis ils ne répétaient pas ça régulièrement. Ils y allaient une fois et comme on va voir tout à l'heure, lorsqu'ils revenaient d'un voyage, ils revenaient et ils... faisait le salam et puis il partait, hein, il ne restait pas là longtemps. Et ça a été rapporté par exemple que Ibn Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il venait d'un voyage, il venait et il se mettait en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire vis-à-vis l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré, okay, par rapport à la tombe, et il disait « Assalamu alaykum ya Rasulallah ». Que la paix soit sur toi, au messager d'Allah. Puis il se passait, ou bien il se mettait un petit peu à côté encore, vers l'est, hein, et là il disait Assalamu alayka ya Abu Bakr, hein, que la paix d'Allah soit sur toi, ô Abu Bakr. Ensuite il se mettait un petit peu encore vers l'est, à côté un petit peu, et là il disait Assalamu alayka ya Abati,
c'est-à-dire que le salut soit sur toi ou mon père, parce que c'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Ok, donc, et quand il faisait ça, puis après il s'en allait, il restait pas longtemps, il faisait juste dire ça. Assalamu alaykum ya Rasulullah, assalamu alaykum ya Abu Bakr, assalamu alaykum ya Abati, et puis il s'en allait. Il restait pas longtemps pour, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutefois, les gens de Zid'a et les Khurafiyoun, parmi les gens qui adorent les tombes, ils se basent sur toutes sortes de khurafats. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a mentionné comme par exemple, comme Adilla du Coran et de la Sunna, les preuves du Coran et de la Sunna qui nous interdit de prendre les tombes comme des lieux de prière, de prendre les tombes comme des lieux d'adoration, de chercher l'intercession des tombes, de chercher l'intercession des morts, d'invoquer d'autres que Allah. Tout ça, c'est des preuves claires du Coran et de la Sunna. Hein? Et il n'y a pas de doute là-dessus. De même que dans les paroles des Sahaba et les paroles des Tabi'in, qui sont claires. Les gens de Bid'a, eux, ils mettent de côté toutes ces affaires-là. Et sur quoi ils se basent? Ils se basent sur des histoires qui ont été rapportées par soi-disant tel ou tel cheikh qui a vécu combien d'années après les salafs. Et ils se basent sur ça comme des preuves. Et là, ils viennent voir les gens et ils disent, regardez, tel livre, dans tel livre, c'est écrit qu'un tel, il est allé à une tombe et il a fait ci, ou il a fait ça. Hein, il dit, est-ce que vous pensez que ce cheikh-là, il faisait le shirk? Est-ce que vous pensez que ce cheikh-là, il connaissait pas le tawhid? Et là, il joue avec les sentiments des gens qui ont peu de connaissances dans le tawhid, et il les égare de cette façon-là. Donc, ça, c'est la méthode des gens de Bid'a. Ils ne reviennent jamais aux preuves, aux fondements, aux principes qui sont établis par les versets du Coran qui sont muhkamat et qui sont clairs, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mutawatir et qui sont sahih, comme dans Al-Bukhari et Muslim, et les autres hadiths qui clarifient ça, et les paroles des sahaba et les exemples des sahaba qui sont clairs à ce sujet aussi, et des tabi'in, etc., et des trois premières générations. Donc ces gens-là, ils viennent avec des exemples très très loin de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'ils se basent sur même des hadiths, des fois qui sont fabriqués ou qui sont faibles, hein, comme par exemple, comme le cheikh il va le mentionner, il y a une catégorie de hadiths, comme par exemple certains hadiths qui ont été mentionnés. Man hajj al-bayt, wa lam yazurni faqad jafani. Hein, ça c'est des exemples, des hadiths qui ont été rapportés, qui disent, celui qui a fait le hajj et qui n'est pas venu me visiter, alors il ne m'a pas donné mon respect ou quelque chose comme ça. Et il y a d'autres hadiths qui disent man zarani ba'dama mati fakannama zarani fi hayati, ou quelque chose comme ça. Des hadiths qui disent ça, comme par exemple, celui qui m'a visité après ma mort, c'est comme s'il m'avait visité durant ma vie. Et tout ça, c'est des hadiths qui sont soit da'if ou soit maudou', fabriqués ou inventés. Il n'y en a aucun dans ce genre de hadiths là qui sont authentiques. Et eux, c'est sur ces genres de narrations-là qu'ils se basent. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ils n'ont pas d'arguments et ils n'ont pas de preuves, hein, mais c'est uniquement sur des shubuhat et des khurafat qu'ils se basent. Et une fois, j'ai raconté souvent cette histoire-là à chaque fois. Quand j'étais en Jordanie, je m'en allais en Arabie Saoudite, et à l'aéroport, j'ai vu un groupe de personnes qui étaient habillées avec les mêmes vêtements, qui venaient de l'Inde, ils ressemblaient à des gens qui viennent de l'Inde, ils étaient tous habillés pareil. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous allez? C'était le mois de septembre, il n'y avait pas de hajj, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'umrah spécifique, il n'y avait pas d'événement spécial à cette période de l'année. Donc je me demandais où est-ce qu'ils allaient, parce que dans le hajj, j'ai vu des gens qui s'habillaient comme ça des fois. Donc, je me demandais, est-ce que c'est pas des groupes qui organisent des hajj et des choses comme ça? Et ils m'ont dit, on s'en va en Égypte. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Égypte? Ils m'ont dit, on s'en va visiter la tombe de Hussein et la tombe de Zainab et la tombe d'autres personnes comme ça, des awliya, soi-disant. Et là, j'ai dit, mais ça c'est pas permis. C'est pas permis. Et là, ils m'ont mentionné comme preuve ce hadith. Ils disent, man zarani fi hayati faka'annama zarani fi et donc déjà le hadith il n'est pas authentique,
Et deuxièmement, ça a rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il l'applique pour les autres tombes. Donc ça c'est un exemple comment des gens comme ça, ils jouent avec la religion de cette façon, malheureusement. Et malheureusement, comme on dit aussi, ils ont quand même pas de honte même d'appeler les gens à participer à ces choses-là. Et on trouve même dans l'internet des sites en français maintenant qui appellent les musulmans à faire ces choses-là et qui disent non, ça c'est pas le shirk, ça c'est l'islam. Donc c'est ça Allah nous dit, c'est ça le danger de ces gens-là. Après le shaykh il dit وهكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي رضي الله عنهما ما كانوا يجلسون وما كانوا يترددون حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد راحوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا يعتبر من الغلو وإنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر كما فعل ابن عمر رضي الله عنه فالصحابة يأتون إلى المسجد ويترددون عليه للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه ولكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا أن هذا الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل ذلك ما كانوا يترددون على القبر حتى إن مالكا رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف لم يثبت منها شيء وإنما تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله زوروا القبر فإنها تذكركم الآخرة فزيارة قبره تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أبدا كما نبه على ذلك الحفاظ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من الأئمة الحفاظ لشيخ الزيوه C'est ainsi que les musulmans faisaient lorsqu'ils venaient faire le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été enterrés avec lui comme Abu Bakr et Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Lorsqu'ils venaient, ils ne venaient pas comme ça à chaque fois et ils ne s'assoyaient pas à cet endroit-là pour rester longtemps comme certains musulmans aujourd'hui font là-bas malheureusement. Non, ils venaient et ils faisaient le salam et ils continuaient leur chemin, d'accord. Et c'est pas qu'ils venaient, si par exemple ils habitaient à Al-Madina, ils ne venaient pas à chaque fois qu'ils venaient à la mosquée, ils allaient saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Ils venaient seulement quand ils revenaient d'un voyage, quand ils étaient partis, et quand ils revenaient d'un voyage, là ils venaient faire le salam. C'est comme moi par exemple, pendant tout le temps que j'ai resté là-bas quand j'étais étudiant à Al-Madina Al-Munawwara, j'allais une fois seulement, quand j'allais pour, quand je revenais des vacances, j'arrivais et je faisais salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Abu Bakr et Omar, et après ça, pendant tout le reste du temps de mes études, quand je revenais chaque jour à Masjid al-Nabawi, je ne retournais pas pour faire salam à la Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est pas la sunna de faire ça. Faire ça, ça devient une bid'a, une forme de roulou, une forme d'exagération pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est pour ça que, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taj'alu qabri wa salam yu'bad ». Et il y a un autre hadith qu'on va mentionner après, à ce sujet-là, ou bien qu'on a mentionné aussi. « La tattakhidu qabri aïda ». Ne prenez pas ma tombe comme un aïd, c'est-à-dire un endroit que vous venez constamment visiter à chaque fois, comme ça. Parce que l'Aïd, ça, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Ya'oudou, da'iman. Donc,
de revenir tout le temps comme ça, ou bien de faire des fêtes ou des choses comme ça autour des tombes, ça non plus c'est pas correct. Donc, d'accord. Donc, le chef il dit que ça fait partie de ceux qui font ça, qui reviennent tout le temps à la tombe, ça c'est des choses qui sont contraires à la sunna. Et les sahaba, donc quand ils revenaient à la mosquée, ils venaient, ils faisaient le salam, et c'est-à-dire quand ils revenaient d'un voyage. Mais en temps général, ils ne le faisaient pas. Comme on a vu pour Ibn Omar, donc, ils venaient à la mosquée, les sahaba venaient à la mosquée régulièrement pour chaque prière, ou bien pour étudier, talabul ilm, ou bien pour faire un i'tikaf, et lorsqu'ils rentraient d'un voyage, comme on a dit, ils venaient, ils faisaient le salam, et puis après, ils ne revenaient plus le faire par la suite. Ils savaient que ça c'est de l'exagération, et ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti contre ça, et c'est eux qui sont les gens les plus savants, les plus connaissants, et qui ont la meilleure compréhension des intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses objectifs. D'accord. Et donc, donc à cause de ça, ils ne venaient pas à chaque fois à la tombe. Même l'imam Malik, rahimahullah, qu'on appelle imam Udar al-Hijra, parce qu'il vivait toute sa vie, comme on a dit, à Médine, et bien même cet imam, rahimahullah, il détestait que les gens disent « j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Il détestait qu'on dise ça. C'est pour ça que les ulama ils disent tout le temps, ne dites pas visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dites visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça qui est mashrou', c'est ça qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas la visite de la tombe. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la tashuttu rihal ila thalathati masajid. Ne faites pas des voyages excepté pour aller visiter les trois mosquées. Ou excepté pour trois mosquées. La mosquée Al-Haram, et ma mosquée à moi à Médine, et Al-Aqsa. Donc ça c'est les trois mosquées qu'il est permis de faire des voyages pour aller adorer Allah dedans. Mais en dehors de ça, c'est pas permis d'aller dans une autre mosquée ou de faire des voyages à d'autres mosquées. Et le point dans ce hadith-là, ou l'argument dans ce hadith-là, c'est le fait que tu pars pour aller faire des adorations à ces endroits-là. D'accord. Donc le but c'est d'aller faire des adorations dans la mosquée et non pas d'aller adorer ou prier Dieu parce qu'il y a une tombe à cet endroit-là. D'accord. Donc ça c'est très important. Et non. Et parce que pourquoi l'imam Malik détestait qu'on dise ça? Pourquoi il détestait qu'on dise j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il n'y a aucune preuve particulière qui a été mentionné à ce sujet-là. Et tous les hadiths qui ont été mentionnés au sujet de visiter sa tombe sont tous des hadiths fabriqués, mawdou'a, c'est-à-dire ils sont fabriqués, c'est des hadiths dont les gens qui les ont rapportés, c'est des gens qui mentent, qui fabriquent des hadiths. Et, ou bien qu'ils sont très faibles, d'une faiblesse très très très, disons, wa alaykoum salam, rahmatullah, d'une grande faiblesse, yani. Donc le niveau ne peut pas être accepté du tout, parce que c'est des hadiths qui sont très daïfs. Et donc il n'y en a aucun d'entre ces hadiths-là qui est authentique. Et des fois tu rencontres des gens, par exemple, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, comme on en a parlé souvent, il y a des gens qui divisent l'islam par nationalité ou bien par culture. Donc il dit un islam marocain, un islam algérien, un islam tunisien, un islam africain, l'islam, etc. Et donc eux ils disent quoi? Ils disent, ah les Saoudiens, il y a l'islam saoudien. Les Saoudiens, eux, leur islam dans l'islam, ils veulent pas que tu fasses des tombes ou que tu ailles aux tombes, des trucs comme ça. Et ils disent, ah parce que eux ils connaissent pas nos hadiths. Ils pensent que c'est une question que, ils disent, nous on connaît ces hadiths-là, ils sont dans nos livres, on les a étudiés, mais eux ils connaissent pas ces hadiths-là. Et eux ils réalisent pas que c'est pas parce qu'ils les connaissent pas, mais c'est parce qu'ils sont pas authentiques. Ils sont mawdou'a, ils sont da'if, donc on ne peut pas les utiliser comme des références et comme des preuves. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous voyez par exemple dans certains livres de fiqh, Maliki ou Shafi'i ou d'autres, eh bien vous trouvez des fois les mentions de ces hadiths-là.
Et souvent, c'est des fuqaha qui ont écrit des livres de fiqh, et ils font juste baser sur le taqlid. C'est-à-dire juste, ils font juste répéter qu'est-ce qu'ils ont appris sans faire de tahqiq, sans faire de vérification. Et donc, ça c'est une raison, et aussi parce que souvent, c'est, des fois, qu'est-ce qui se passe, c'est que ils ont des, une aqida soufia. Ce sont des shuyukh qui ont étudié le fiqh, mais qui ont étudié en même temps, ou qui ont des bases ou des fondements dans le tasawwuf, et donc ils mélangent la, les connaissances qu'ils ont dans le fiqh, et ils mélangent de, avec ça des choses qui ont rapport avec le tasawwuf. Même dans les livres de aqida des Asha'ira, vous trouvez dedans plein de mélanges de croyances des soufis dedans. Hein? Malgré que c'est des gens qui, yani, disons, qui disent qu'ils suivent, qui prétendent suivre Ahl-Sunna al-Jama'a. Donc ça c'est des exemples qu'ils mélangent des hadiths da'if et des hadiths mawdou'a dans leurs livres, et puis ils appellent les gens à suivre ces choses-là. Et la majorité des gens, malheureusement, quand ils lisent un livre, ils ne sont pas capables de distinguer est-ce que c'est sahih ou da'if. Quand ils lisent un hadith, ils croient que c'est vrai. Et en particulier ces genres de livres-là, dans les livres de fiqh, où ils mentionnent souvent les hadiths sans aucune référence, sans même mentionner l'origine de ce hadith. Est-ce qu'il est rapporté par Al-Bukhari, ou Muslim, ou Ibn Majah, ou Al-Bayhaqi, ou Al-Tabarani, ou d'autres parmi les muhadiths, les ulama de hadith. Et des fois, c'est des hadiths qui sont tirés dans des livres qui ne sont même pas reconnus par les ulama. D'accord? Donc, les pauvres gens ordinaires qui n'ont pas étudié un hadith et qui n'ont pas étudié qu'est-ce qui a rapport avec ça, eh bien, eux, ils lisent ces choses-là, puis ils les acceptent, et ils croient à ça, et ils pensent que c'est vrai, malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les tahqiqs des livres et des hadiths, et de mentionner aux gens l'authenticité des hadiths qu'on enseigne lorsqu'on leur explique des choses qui ont rapport avec l'islam. Et le chef, il dit que tout ce qui a été rapporté au sujet de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve dans le sens général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit visitez les tombes parce qu'elles vous rappellent de la vie après la mort. Visitez les tombes parce qu'elles vont vous aider à vous rappeler de l'akhirah, qu'est-ce qu'il y a après la mort. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, on peut dire d'une certaine façon que de visiter la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'on va à la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم, ça rentre dans le sens général de la visite des tombes que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de faire, dans le sens général pour se rappeler de l'akhirah. أما أنه ورد en ce qui concerne le fait de dire qu'il y a un terme ou des paroles spécifiques qui ont été mentionnées particulièrement pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été confirmé et ça n'a pas été rapporté de façon authentique comme les savants de hadith et les huffaz ont mentionné ça, comme par exemple Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Ar-Radd 'ala al-Bakri. Il a parlé de ça, il a mentionné ces hadiths-là, et il a réfuté un des soufis, Al-Bakri, à ce sujet-là. Et c'est un livre très bon, très intéressant, je conseille tout le monde de le lire. Et aussi le livre qui s'appelle At-Tawassul wal-Wasila, Qa'idatun Jalila, fit Tawassul wal-Wasila. Et ça aussi c'est un des livres, masha'Allah, un des très bons livres à ce sujet-là. Ibn Hajar al-Asqalani, il a mentionné également la faiblesse et la fausseté de ces hadiths, et il y a aussi un des élèves de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'appelle Ibn Abdul Hadi, et il a écrit un livre lui aussi à ce sujet-là, en ce qui a rapport avec la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a montré que c'est pas fondé sur aucune preuve authentique. Et « وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْحُفَّاظِ » et ainsi que d'autres parmi les imams et les huffaz. Et il y en a des gens de bid'ah, comme je disais tout à l'heure, parmi les soufis, ils vont par exemple dans des livres qui ont rapport avec la siyar,
et les biographies des ulama, comme par exemple l'imam al-Zahabi, qui est un des élèves d'Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle Siyar A'lam al-Nubala. Et dans ce livre-là, il mentionne tout ce qu'il trouve, l'imam al-Zahabi. Il mentionne tout ce qu'il trouve, et des fois il va mentionner des choses qui sont pas authentiques à propos de certaines personnes, ou il va mentionner des choses qui sont contraires à la vérité par rapport à des paroles de certaines choses qui ont été rapportées de la part de certains savants, et donc ça ne veut pas dire que ces paroles-là, c'est des paroles que l'imam al-Zahabi est d'accord avec. Mais il fait juste rapporter tout ce qu'il trouve et il le met dans son livre. D'accord? Parce que c'est un livre de, c'est comme une sorte de biographie qu'il écrit. Et donc, il fait juste mentionner ce qu'il a trouvé au sujet de ces personnes-là. Mais quand vous regardez dans les autres livres de l'imam al-Zahabi, quand il parle de Jarh al-Tahdhib et quand il mentionne qu'est-ce qu'il y a rapport avec les narrateurs et les personnes qui parlent de l'islam, là, il va mentionner celui-là. Il est pas bon, celui-là, il est correct, etc. Et là, il distingue entre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais, même s'il le fait parfois même dans Siyar A'lam al-Nubala, mais des fois, on voit, il y a des choses aussi générales. Donc, c'est pour ça que, il faut pas, se baser, sur tout ce qui est écrit dans ce livre-là, comme si c'était une référence. Et de toute façon, comme je disais tout à l'heure, la base, c'est pas qu'est-ce que certains savants auraient pu dire parfois qui est contraire à la vérité, eux ils prennent ça comme une base. Parce que, comme on dit, on reconnaît pas la vérité par les gens, mais on reconnaît les gens par la vérité. Hein, ça c'est très important. Donc, c'est pas parce qu'un tel a dit quelque chose que c'est vrai. C'est vrai parce que ça vient d'Allah et du messager, si ça a été rapporté par le Coran et la Sunna et les exemples des Sahaba. Mais si quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un qui est reconnu comme étant un alim et qui dit quelque chose, c'est pas parce qu'il l'a dit que ça devient vrai. Hein. C'est pour ça qu'il y en a, ces gens-là, ils utilisent ces genres d'arguments-là. Et c'est un argument totalement faux. Si tu trouves, par exemple, un exemple dans un livre, un cheikh qui dit quelque chose où il supporte quelque chose qui est contraire au tawhid ou qu'il supporte quelque chose qui est contraire à la sunna, eh bien, tu dois dire déjà en partant, sûrement c'est quelque chose qui a été rajouté ou qu'on a menti au sujet de ce savoir-là. Parce qu'il n'y a pas un alim qui défend le shirk ou qui défend la bid'a. Hein. Donc ça c'est une erreur, hein. Il faut vérifier l'authenticité de cette parole, hein, pour être sûr que c'est authentique. Deuxièmement, il faut, disons, essayer de comprendre parce que notre référence à nous, c'est le Coran et la Sunna avant tout. Donc, si il y a une erreur dans cette parole-là, eh ben, on va dire, il s'est trompé dans ce sujet-là. Et on va pas le suivre dans cette parole-là qu'il a dit si c'est contraire à la vérité, si c'est contraire au Coran et la Sunna. Mais il y en a des gens, parmi les, comme je vous dis, les gens d'égarement, les gens de Dalal, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est le contraire. Quand ils trouvent une parole d'un savant qui est en accord avec leur passion et leur désir, ils vont la prendre et ils vont rejeter le Coran et la Sunna et toutes les preuves qui sont établies à ce sujet-là. Et ça c'est le signe d'une personne qui suit ses passions. Le cheikh dit, Wal ibn Abd al-Hadi, kitab al-mustaqil ismuhu al-Sarim al-Manki, fi al-Radd al-Subki, tanawala al-Ahadith, allati istadalla biha al-Subki, على مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فبين ما فيها من المقال واحدا واحدا حتى أتى على آخرها. فهذا الكتاب الصارم المنكي كتاب نفيس جدا يحتاجه طالب العلم ليتسلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج. نعم. Donc le cheikh il dit que un des élèves d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle Ibn Abd al-Hadi, il a un livre qui a été écrit spécifiquement sur ce sujet-là, qui s'appelle As-Sarim al-Manki fi al-Raddi al-Subki. As-Sarim al-Manki, et les savants de l'islam faisaient souvent des titres comme ça, qui riment. Hein, oui, c'est ça.
Ouais, c'est comme les poètes. As-Sarim al-Man kif al-Rabbi al-Subki. Donc c'est comme, As-Sarim c'est comme un couteau, une épée, quelque chose comme ça. Al-Man kif, je sais pas, mais al-Rabbi al-Subki, c'est-à-dire pour réfuter al-Subki. Un savant qui s'appelait al-Subki. Et al-Subki, c'était un savant qui vivait à l'époque de Ibn Taymiyyah. Et lui, il avait beaucoup de bid'a et des choses contraires à la sunna. Et durant la vie de Ibn Taymiyyah, il n'a pas exposé ses positions ouvertement parce qu'il craignait que Ibn Taymiyyah le réfute. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu sa mort. Et lorsqu'il a vu que Ibn Taymiyyah est mort, il a écrit un livre pour essayer de défendre la visite des tombes. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'imam Ibn Abdul Hadi, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, il a écrit le livre « As-Sarim al-Manki fil-Raddi ala al-Subki » wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a écrit ce livre-là pour répondre à aux faux arguments et aux faux hadiths que al-Subki avait mentionné. Et donc, c'est pour ça que le cheikh il dit que il est important pour le talib ilm de se procurer ce livre-là et de l'étudier, de l'apprendre pour s'armer contre les khurafiyins, les gens qui répandent des superstitions et des mensonges et qui se basent sur ce genre de hadiths qui sont faibles hein, et qui ne sont pas valables comme preuve. Et donc l'imam Ibn Abdul Hadi, il répond à chacun de ces hadiths-là, un par un, hein, et il les réfute. Même il parle même de l'histoire qui a été rapportée, il y a plein d'histoires comme ça que les soufis ils racontent, qu'ils étaient à telle place, ils ont fait un rêve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et ils sont allés à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient mal quelque part, ils ont touché à la tombe, après ils sont guéris, plein d'histoires comme ça. Et si c'est pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la tombe d'un autre wali, soi-disant, parmi les awliya. Et donc eux, c'est ça leur religion, c'est les tombes. Donc, Allah musta'an. Après, le cheikh il dit, allez, si on réfléchit bien comme il faut là, hein, moi-même je disais ça aux chrétiens, je me rappelle, même avant d'être musulman, je leur disais, bon, la croix, est-ce que Jésus, durant sa vie, il a enseigné aux gens de prier la croix? Non. Hein? Donc c'est la même chose, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il a enseigné les sahabas d'aller aux tombes et de prier les tombes? Même la preuve, il a interdit aux sahabas d'aller visiter les tombes, même durant sa vie au début, juste à la fin, quand ils savaient qu'ils avaient bien compris le tawhid. Il a dit, je vous avais interdit de visiter le temple, maintenant je vous permets de les visiter parce que ça va vous rappeler de la vie après la mort. Mais c'est pas dans le but de les prier, de les adorer, ou de chercher la baraka, ou des trucs de ce genre, hein. Mais là, après maintenant ces gens-là, ces soufis, ils arrivent, et là ils commencent à renverser la religion, puis à faire comme si les tombes c'est ça le centre de l'islam. Hein. C'est ça la base de l'islam pour eux, d'adorer les tombes. Et allez, عجيب سبحان الله. دونك الشيخ الزي وبهذا الكتاب هذا الكتاب الصارم المنكي اوكي ساجي مرسلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تحذير بعد تحذير حيث سبق عدة مرات ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وهو في سياق الموت لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال قبل أن يموت بخمس ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وهنا يقول اشتد غضب الله ودونك الشيخ دي كون فوا كو دون سو حديث لا كون مانسيوني ان فيت اون لا با لو اون لا با اون لا با لو ان كومونسان. Mais c'est le hadith qui est mentionné dans Al-Muwatta qui dit Allahumma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma la taj'al qadri wa sanan yu'bad,
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. C'est-à-dire, ô Allah, ne fais pas que ma tombe devienne une idole qu'on adore, et la colère d'Allah est devenue très dure contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière ou des lieux d'adoration. Donc ça c'est le hadith dont le cheikh parlait, et donc il dit que ce hadith-là c'est un avertissement après une autre, hein, et comme on l'a mentionné dans plusieurs hadiths dans les chapitres qui ont précédé, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple avait maudit les juifs et les chrétiens, et il était dans c'est-à-dire dans l'agonie comme avant de mourir, hein, pendant sa maladie, avant de mourir, il disait ces choses-là. Parce qu'ils avaient pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière et des lieux d'adoration. Donc il avertissait contre ce que ces gens-là avaient fait, et ça c'était 5 jours avant de mourir. Et il disait, certes ceux qui ont vécu avant vous, ils prenaient les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière, alors nous ne prenez pas les tombes des prophètes ou les tombes comme des lieux de prière. Et ici dans ce hadith-là, il dit « ishtadda ghadab Allah », c'est-à-dire la colère d'Allah est devenue très très sévère, très dure. « Ishtadda », ça vient de « shidda », ça vient de le fait que Allah a une colère ou une colère, il s'est mis en colère d'une façon très sévère contre ces gens-là. « Ghadabullah » والغضب صفة من صفات الله من صفاته، فالله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحب، وكما جاءت بذلك النصوص، كل هذه الصفات تليق بجلاله، وليس كغضب المخلوق ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، ولا يحب كما ويحب كما يليق بجلاله لا كمحبة المخلوق. نثبت لله ما أثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فنثبت أن الله يغضب وأنه اشتد غضبه وأنه ينقض، والمقت أشد الغضب. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، فالله يمقت بمعنى أنه اشتد غضبه، وهذا دليل أن وهذا فيه أن من جعل القبر مسجدا فقد اتخذه وثنا يعبد، ودل على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يطاف بها الآن وينظر لها ويذبح لها ويستغاث بها أوثان لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وإن سموها مساجد أو سموها مقامات للصالحين فالتسمية لا تغير المعنى، فهي أوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que Allah ta'ala, le prophète Rasul l'a décrit en disant ishtadda ghadabullah, c'est-à-dire que Allah ta'ala il a cette caractéristique de al-ghadab, il se met en colère. Comme on dit aussi dans sourate al-Fatiha, ghayri al-maghdubi alayhim, et non pas ceux que Allah est en colère contre eux. Al-maghdub c'est al-maf'oul, maf'oul bihi, donc c'est-à-dire ceux contre qui Allah est en colère. Donc ça aussi, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il a la colère, ok. Et c'est une de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère, de même qu'il se réjouit, hein, et il rit également, ça fait partie de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il rit, et aussi il aime, hein, il a ces attributs-là. Et tout ça, ça a été prouvé et affirmé par des preuves des textes du Coran ou de la Sunna. Donc quelqu'un n'a pas le droit de nier ces attributs-là. Quelqu'un n'a pas le droit de nier ces attributs-là. Allah, il dit qu'il se met en colère, toi tu dis non, il ne se met pas en colère, c'est pas logique, ou bien non, ça ne s'applique pas, parce qu'on ne peut pas dire ça. Et parce que ces gens-là, ils essaient de comparer la colère des créatures
Et ils disent, non, ça peut pas s'appliquer parce que nous les êtres humains, quand on se met en colère, c'est telle ou telle ou telle chose, hein, le sang qui commence à chauffer, donc on ne peut pas attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça c'est le problème ou l'erreur qu'ils font, c'est de faire des ressemblances ou des comparaisons dans leur imagination entre la colère d'Allah et la colère des créatures, et c'est pour ça qu'ils tombent dans At-Ta'til, mais ça c'est pas permis. C'est-à-dire c'est pas permis d'imaginer comment elle est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre que la colère d'Allah, elle convient à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas une colère qui est comparable à celle des êtres humains, parce que c'est la colère de Dieu, c'est pas la colère d'une créature. La même chose pour la joie, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala yafrah, hein, il se réjouit, ou bien quand il se met à rire, hein, quand il rit, tout ça c'est des attributs qu'on doit affirmer. Et Allah subhanahu wa ta'ala également, il aime d'une façon qui lui convient, pas d'une façon qui est comparable à l'amour des créatures. Donc c'est ça. وَنُثْبِتُ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ. On doit affirmer à Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, de même que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé comme attribut, sans essayer de déformer le sens de ces attributs-là pour leur donner un sens qui est en dehors de leur signification connue en arabe. De même qu'il ne faut pas essayer non plus de nier leur sens et de déformer leur sens, faire le tahrif ou le ta'wil, comme on l'a expliqué déjà, ou bien de les interpréter incorrectement, ou bien de faire le takyif, c'est-à-dire de chercher à comprendre comment sont ces attributs-là, voilà, tamthil, et non plus de faire des comparaisons et des ressemblances entre Allah et sa créature. Donc on affirme qu'Allah, il se met en colère, et que sa colère peut devenir très dure, et également il a comme attribut al-maqt, annahu yamqut, hein, et al-maqt c'est comme al-ghadab, mais plus dur encore, c'est le plus dur degré, haut degré de la colère, d'accord. Donc ça c'est important à comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le surat Ghafir, le verset 10, « La maqtullahi akbar min maqtikum, bima'na annahu yashtadu ghadabuhu. » Donc, ça veut dire que le maqt, c'est sa colère devient très dure. Et donc, il y a donc dans ce hadith-là la preuve que celui qui a fait de la mosquée, il y a dans ce hadith une preuve que celui qui a fait de la tombe un lieu de prière ou un lieu d'adoration, eh bien, il a pris ce lieu-là comme, ou cette tombe-là comme une idole qu'on adore. Ok? Ça va? Et le cheikh dit ensuite, et donc, il y a la preuve aussi que toutes les choses qui ont été construites, les dômes, ou les tombeaux, ou les mausolées, ou autres constructions qui ont été fabriquées sur les tombes, et là où les gens vont faire le tawaf aujourd'hui, hein, ou bien où ils vont faire des vœux, où ils vont égorger, où ils vont chercher le refuge auprès de ces tombes-là, ce sont des idoles. Et il n'y a aucune différence entre ces idoles-là et les idoles que les gens de Quraysh adoraient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Lat et Al-Uzza et Manat, Al-Thalithat Al-Ukhra et les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah, c'est tout considéré comme des idoles. Et même si on les appelle par d'autres noms, ça veut rien dire. C'est-à-dire, même si on les appelle par d'autres noms que des mosquées, hein, c'est quand même considéré comme des idoles. Même si on les appelle mosquées, c'est des idoles. Même si on les appelle maqamat, c'est des idoles. Même si on les appelle mashahid, c'est des idoles. Qubba ou autre, c'est la même chose, c'est toutes des idoles. Et eux ils les appellent maqamat, salihim, mashahid ou autre. Donc tout ça, ça rentre dans des idoles. Et le fait de changer les noms, eh bien ça change pas la réalité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés des idoles. Après le cheikh il dit « وَلِبْنُ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره
وكذا قال ابن أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. أوكي. دونك لشيخ الزيسي ثم قال ولابن جرير، وابن جرير هو الإمام الجليل إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير. أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة، بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام مثل تفسير الرازي وتفسير الزمخشري، وفيها من الخلط وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد فتفسير الزمخشري فيه فوائد لغوية وأسرار بلاغية، وفيها وبيان التفسير أو بيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، فهو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل يشتمل على كثير من الشر، والقول بخلق القرآن فهو من هذه الناحية تفسير مختلط لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل. أما المبتدئ والجاهل فلا يصلح أن يطالع في تفسير الزمخشري، أما تفسير الرازي فهو أكثر شرا من تفسير الزمخشري لأنه كله جدل وافتراضات، وأحيانا يأتي بإشكالات ولا يجيب عليها، وإنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على علم، إنما هي التفاسير المبنية على كلام الله وعلى قواعد التفسير المعروفة، تعريف تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، هذه وجوه التفسير. أما أن يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق فهذا ليس من التفسير. الشيخ يتحدث ici maintenant il dit parce qu'il y a une narration qui a été mentionnée de l'imam Ibn Jarir avec la chaîne de narrateur selon Soufyan et selon Mansour qui dit que Mujahid selon Mujahid n'avez-vous pas vu Al-Lat et Al-Uzza, verset 19 dans Sourate Al-Najm, et il explique que Al-Lat كان يلت لهم السويق فمات فعكف على قبره. Al-Lat, qu'est-ce qu'il faisait? Ils disent que c'est un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait la nourriture et les choses pour les Hujjaj, et il est mort, alors on a fait, et ils ont fait quelque chose à sa tombe, et ils se sont restés près de sa tombe. Et ils ont fait une idole à côté de sa tombe. Donc là, le cheikh il explique à propos de Ibn Jarir. C'est qui Ibn Jarir? C'est l'imam, un des grands imams de l'islam, un des imams parmi les savants de tafsir, l'imam Muhammad Ibn Jarir al-Tabari. C'est un des imams qui ont eu un madhab, qui est des ulama qui avaient leur propre madhab. C'est des mujtahidines, des grands imams dans l'islam. Sauf que son madhab n'a pas été préservé comme les imams des quatre grands madhab qui sont connus aujourd'hui. D'accord? Donc c'est ça. Et puis le cheikh il dit que son tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il est devenu maintenant une référence pour tous les autres mufassirines qui sont venus après lui. Tous les savants tafsir qui sont venus après Muhammad Ibn Jarir, ils se réfèrent à son tafsir à lui. D'accord? Et quand vous voyez par exemple dans le tafsir Ibn Kathir ou dans d'autres tafsirs, vous voyez qu'il mentionne souvent des narrations des ulama, c'est souvent des narrations qu'il a pris de Tafsir Ibn Jarir, et il ne mentionne pas tout le temps l'isnad, parce que l'isnad elle est dans Tafsir Ibn Jarir, Tafsir Ibn Jarir. Donc le cheikh il dit que tous les savants après lui se sont référés à lui,
Donc c'est le plus grand des tafsir. C'est le tafsir Ibn Jarir. Et les gens de Kalam, Ahlul Kalam, Ahlul Mantiq, les philosophes et les gens de Bid'a parmi les Asha'ira et les Mu'tazila, eux ils ont aussi des livres de tafsir. Même les soufis ils ont des livres de tafsir et les Shia ils ont des livres de tafsir. Ils ont tous les gens de Bid'a, ils ont leur propre livre tafsir à eux. Okay? Sauf que leur référence pour le tafsir, c'est pas du tout la même que les références des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Le Cheikh il dit, leur référence, c'est pas les mêmes références que les livres de Ahl al-Sunnah. Leur référence, comme par exemple pour les gens de Ilm al-Kalam, Ahl al-Kalam wal Mantiq, eux ils réfèrent à quoi? Ils se réfèrent à quoi? Ils se réfèrent au fondement de la logique grecque, de la logique d'Aristote, ou bien à la théologie et la philosophie, ok? Ils se réfèrent à leurs principes qu'ils ont établis, qui sont basés sur des principes de philosophie grecque ou de logique grecque. Comme par exemple le tafsir de l'imam al-Razi, tafsir al-Razi et tafsir al-Zamakhshari, al-Zamakhshari. Donc le cheikh il dit qu'il y a dedans plein de mélanges, et il y a beaucoup de mauvaises choses dans ces tafsirs-là, al-Razi et al-Zamakhshari. Al-Razi c'était un Ash'ari et Al-Zamakhshari c'était un Mu'tazili. Toutefois quand vous lisez les deux, vous ne pouvez pas distinguer, presque pas distinguer lequel des deux était Mu'tazili, puisque les deux ils ont un style qui est semblable. Toutefois le cheikh il dit que le tafsir de Al-Zamakhshari il est bénéfique, il dit il y a quelques bénéfiques dans le sens linguistique. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sur le plan linguistique, il y a beaucoup de bienfaits dans cet tafsir-là, et il y a des questions qui ont rapport avec al-balara, qu'est-ce qu'on appelle ilm al-balara, comme la façon dont la langue arabe est basée ou est bâtie pour les styles et l'éloquence et tout ce qui a rapport avec ça. Donc on découvre dans son tafsir beaucoup de choses qui ont rapport avec les secrets de qu'est-ce qu'on appelle al-balara, comment la rhétorique, la barakalorique. Et puis il y a aussi bayan tafsir, il y a aussi l'explication des paroles ou des mots sur un plan linguistique, sur le plan de la langue arabe. Donc sur ces questions-là, il y a des bienfaits. Et il y a du bon sur ce plan-là. Toutefois, sur la question de l'aqida, eh bien, ça c'est un livre qui est vraiment mauvais en ce qui concerne l'aqida, parce qu'il fait le ta'wil, il déforme le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il défend la position de khalq al-Qur'an, c'est-à-dire il dit que le Qur'an est créé, parce que c'est un mu'tazili. Et donc, sur ce plan-là, son tafsir est très mauvais, il est tout mélangé. Et il n'est pas bénéfique, ou il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas ferme dans la science, qui n'est pas ferme dans la science, il ne doit pas rentrer dans ce genre de tafsir-là, s'il n'a pas établi une science très profonde dans la connaissance de la religion, parce qu'il ne sera pas capable d'éviter les erreurs et les choubouhat qui sont dedans. D'accord? Sur ce plan-là, il y a ça, puis c'est ça. Donc pour le débutant, la personne qui est débutante dans la science, eh bien il faut éviter ça. Puis je lisais un texte ou des fawa'id de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il disait que Az-Zamakhshari dans son tafsir, à la fin de chaque surah, de tafsir de chaque surah, il mentionne un hadith daif. Ça c'est un exemple, donc ça c'est spécial. Le chef il dit, ben, parce que des fois il utilise des façons très subtiles pour nier les attributs, il ne va pas le faire des fois directement, il utilise des ruses pour le faire. Et l'imam Abu Hayyan al-Andal aussi dans son tafsir qui s'appelle Al-Bahr al-Muhit, à chaque fois qu'il tombe sur un point qui a rapport avec ce sujet-là, il en profite pour réfuter des choubouhats de Al-Zamakhshari.
d'accord, dans son tafsir. Donc ça c'est parce que Abu Hayyan al-Andalusi, son tafsir al-Bahr al-Muhit est un tafsir basé plus approfondi sur la langue. Donc c'est très intéressant sur le plan linguistique aussi. Et il réfute plusieurs des choubouhats de al-Zamakhshari et des soufis aussi. Le cheikh ensuite il dit que le tafsir de l'imam al-Razi par contre il est plus mauvais encore que le tafsir de al-Zamakhshari parce que al-Jadal, qu'est-ce qu'on appelle al-Jadal, c'est-à-dire des argumentations philosophiques. C'est toutes des affaires d'argumentation philosophique dans le tafsir de al-Razi. Donc c'est mauvais et puis il faut s'en éloigner. Parce qu'il ramène des fois des questions, des questionnements et des problèmes, puis il ne répond même pas à ces questions-là ou à ces problèmes-là. Donc il rentre avec des choubouhats, puis il les mentionne, puis après il ne peut même pas les réfuter. Donc c'est ça le danger. Parce que les Asha'ira, les gens de Kalam, eux, qu'est-ce qu'ils disent dans leur Aqida, c'est que qu'est-ce qui est l'obligation pour quelqu'un, pour un être humain, en premier, il doit douter. Puis après, il doit essayer de prouver l'existence de Dieu par la raison. Puis après, il doit commencer à essayer de, disons, apprendre sa religion. Hein? Donc ça, c'est leur philosophie. Ça, c'est comme la même chose que Descartes et d'autres philosophes aussi, qu'il faut commencer par le doute. Et j'écoutais justement tout à l'heure Cheikh Mohamed Aman, et il réfutait ce point-là. Il dit, il y en a qui ont dit qu'il faut commencer par le doute en premier, puis après essayer d'affirmer par des preuves logiques l'existence de Dieu et rentrer là-dedans. Il y en a d'autres qui ont dit non, c'est pas le doute, il faut commencer par an-nazar, c'est-à-dire l'observation, l'analyse, essayer de trouver des arguments logiques pour prouver l'existence de Dieu. Et Cheikh Mohamed Aman il a dit que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a réfuté ces principes-là ou ces idées-là des philosophes et des gens de Ilm al-Kalam, et il a dit que la première chose obligatoire pour le croyant ou l'être humain, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la première obligation. Parce que déjà à la base, il a dans la fitra, dans sa fitra, il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Il n'a pas besoin de rentrer dans plein d'arguments pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Parce que l'existence de Dieu, elle est claire déjà, elle est au fond de son cœur, il le sait, parce que Allah, il l'a mis, cette preuve-là, à l'intérieur de lui-même. Donc, il n'y a pas de nécessité d'essayer de trouver des arguments logiques, puis de rentrer en profondeur dans toutes ces argumentations-là, mais plutôt c'est de connaître, d'acquérir une connaissance correcte de qui est Allah subhanahu wa ta'ala et comment on doit l'adorer. D'accord? Et ça, c'est à travers la révélation. Donc on voit que ici la méthode des gens de Dalal c'est très dangereux en fait parce que déjà en partant ils rentrent dans le doute, ils commencent par le doute. Et alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir de doute. Afillahi shak, est-ce qu'il y a des doutes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc ça c'est dans le Coran. Et après les arguments qu'ils utilisent pour essayer de prouver l'existence de Dieu, c'est des arguments vraiment qui tournent en rond. Et on va pas rentrer là-dedans maintenant, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Parce qu'eux, ils parlent de al-hudus ou al-qidam. Al-qidam ou al-hudus, et ils rentrent dans ces affaires-là pour essayer de prouver l'existence de Dieu, alors que, il y a un effet, c'est pas la méthode des prophètes, alayhi salatu wa salam, pour arriver à ça. D'accord? Ok. Le cheikh il dit donc, comme on était rendu, ouais, il dit donc, la meilleure méthode pour le tafsir, c'est de faire le tafsir, c'est de suivre la méthode des tafsirs, ou bien les meilleurs tafsirs, les tafsirs qui sont les plus fiables, c'est les tafsirs qui suivent la méthode qu'on connaît très bien, qui est établie sur les principes de tafsir, le Coran par le Coran, ou le tafsir du Coran par la Sunna, ou le tafsir du Coran par les paroles des Sahaba, ou le tafsir du Coran par les implications de la langue arabe de l'époque,
Et ça, c'est les exemples comment on doit suivre, les principes qu'on doit suivre pour interpréter le Coran. Et ça, c'est la méthode la plus fiable. Mais de rentrer dans ilm al-kalam ou ilm al-mantiq pour essayer de faire le tafsir, ça, c'est complètement rejeté. Puis les soufis, eux, ils ont leur méthode à eux de faire tafsir, c'est-à-dire ils se basent sur les rêves et sur les, soi-disant, les inspirations et des trucs de ce genre qu'ils ont dans leurs rêves. Et dans comme si des visions qu'ils ont ou des sensations qu'ils ressentent, ils se basent là-dessus pour interpréter le Coran. Et donc, quand vous lisez dans leur livre, vous voyez toutes sortes d'affaires comme ça. D'accord? Et leur tafsir, comme par exemple Ibn Arabi et d'autres comme ces gens-là, ils ont des tafsirs et ils parlent de Wahdat al-Wujud dedans, puis de Hulul, puis des affaires complètement, yani, tu te demandes est-ce qu'ils n'ont pas yani, consommé un peu de drogue avant d'écrire leur tafsir. Allah musta'an. Donc, et pour les chiens, eux c'est encore. Ah, les chiffres, interpréter le Coran par les chiffres, ça à l'origine ça vient des juifs. Ça vient des juifs, là, qu'est-ce qu'ils appellent la cabale, puis les trucs de numérologie là. Ils attribuent à chaque lettre une valeur numérique, puis ils essaient d'interpréter le Coran de cette façon-là par des chiffres ou des trucs comme ça. Je sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais sinon il y a ça, puis ça c'est pas fondé. Ah ouais, ok. Ouais, ça c'est des gens comme Rashad Khalifa. Et des gens qui ont essayé de dire qu'il y a un miracle numérique dans le Coran, que si tu calcules telle lettre, elle se retrouve combien de fois dans le Coran, puis quand tu les mets ensemble, tu les multiplies par 19, puis ça va donner toujours un multiple de 19, etc. Mais il y a des analyses qui ont été faites pour prouver que en fait c'est pas vrai ces affaires-là. En fait, ils essaient d'arranger les affaires pour que ça marche. Parce qu'en réalité, ça marche pas. Il n'y a pas de miracle numérique du Coran. C'est pas là-dedans qu'il est le miracle. Il y a un miracle dans le Coran, mais c'est pas dans ça le miracle. Hein? Et al-i'jaz al-ilm, c'est la même chose. Le miracle scientifique, soi-disant, du Coran, c'est pas le Coran, c'est pas un livre de théorie scientifique. Et il y a des choses que certaines personnes ont interprétées pour essayer de dire. Ah, regardez, ça a été découvert aujourd'hui, etc., etc. Mais, comme par exemple, des fois tu regardes, puis tu dis, bon, ça c'est des théories. Si c'est des faits, des choses qui ont été observées, puis qu'il n'y a pas de remise en question possible, dans ce cas-là, tu peux dire oui. Hein, ça, c'est des choses qui sont vraies. Mais si c'est des théories, des choses qui ne sont même pas établies ou prouvées, ou que c'est juste vaniani, des conjectures, que peut-être ça pourrait vouloir dire ça, mais ils ne savent même pas encore est-ce que c'est ça réellement. Des choses qui dépassent les limites de notre monde physique, hein, et des choses. Parce que des fois, quand tu rentres trop dans la physique, tu arrives à un certain moment que tu dépasses même les limites de la raison, dans le sens que tu es dans le tellement petit, ou dans le tellement grand, que à notre échelle, à nous, ben, il y a plus de réalité possible, pas qu'il y a plus de réalité possible, mais on n'est plus capable de l'imaginer comme il faut, réellement, comme quand tu parles des atomes, puis des composantes de l'atome, puis là tu commences à rentrer dans ces affaires-là, essayer d'interpréter le Coran par rapport à des théories comme ça, comme l'expansion de l'univers, puis wassama abadaynaha bi'aydin wa inna la mousi'un, et des trucs comme ça, des fois tu dis, bon, est-ce que c'est nécessaire de rentrer dans tous ces détails-là? Mais si c'est des choses connues, établies, confirmées, puis qu'on ne peut pas remettre en question, parce que, alhamdoulilah, mais le Coran, c'est pas un livre de science. Et souvent, les gens qui utilisent les arguments de ce genre, comme le scientifique et tout, c'est parce que ils pensent que c'est ça qui va attirer les non-musulmans à devenir musulmans. Et souvent, c'est pas ça que les non-musulmans recherchent à comprendre. Quand ils se posent des questions sur leur existence, parce que en réalité,
si tu veux connaître ces choses-là, tu peux étudier la science, t'as pas besoin de religion pour le connaître. Alaykoum salam wa rahmatullah. T'as pas besoin de religion pour les connaître. Ouais, les étapes du développement du fœtus et tout ça, ouais. Oui, non, je sais. Mais bon. Je sais pas. C'est parce que eux, peut-être ils parlent avec des gens qui sont des athées. Puis ils s'imaginent que c'est de cette façon-là qu'ils peuvent arriver à les convaincre. Il y a un penseur là, un français qui était converti à l'islam, qui s'appelle Maurice Bucaille. Il a écrit un livre qui s'appelle La Bible, le Coran et la science. Et bien dans ce livre-là, si vous lisez par exemple, il y a des affaires qui sont complètement contraires à l'islam. En particulier dans la section qu'il a écrit à la fin, sur les hadiths. Il remet en question les hadiths en disant que c'est pas scientifique. Hein? Et il remet en question même des interprétations du Coran aussi, soi-disant parce que c'est pas scientifique. Et il critique les salafs parce qu'ils n'ont pas interprété le Coran à la façon des scientifiques d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, quand les salafs ont lu le Coran, ils ont cru au Coran par rapport à qu'est-ce qui était comme argument, le but, ou ce à quoi le Coran appelle, c'est au tawhid, c'est ça la base. Pas juste à l'épreuve scientifique qui montre l'existence de Dieu ou que le Coran est vrai, mais de faire comprendre aux gens aussi le but de l'existence et que le tawhid, c'est la religion des prophètes. Quand par exemple, bon, je ne vais pas donner un exemple juste pour parler de moi, dans le sens de mon expérience à moi personnelle. Pour chaque personne, ça peut être différent, comment il découvre l'islam, comment il rentre dans l'islam. Mais pour dire que moi, quand j'ai lu le Coran, qu'est-ce qui m'a attiré à me convertir à l'islam, c'était pas les preuves scientifiques, parce que j'avais pas lu le Coran. Avec l'intention ou bien la recherche de preuves scientifiques. Et pour moi déjà, même la science, j'avais jamais compris que c'était en opposition avec la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui a créé l'univers, c'est le même qui a envoyé les messagers. Et donc les messages qu'il envoie par ses messagers, c'est normal qu'il ne peut pas y en avoir dans des choses qui vont aller en contradiction avec la réalité. De qu'est-ce qu'il a créé, d'accord? Et donc ça c'est clair, mais bon, pour les chrétiens c'est une histoire différente, parce que pour eux, il y avait toujours un contrôle de l'Église sur la connaissance que les gens avaient accès, disons. Ils ont contrôlé un peu l'accès des gens à la connaissance, puis c'était uniquement les moines et les prêtres qui pouvaient étudier ces affaires-là, les choses qui avaient rapport avec les spéculations scientifiques et tout. Regardez par exemple, quand ils parlent par exemple de Galilée, Copernic et d'autres, ils disent « Oh regardez, les scientifiques à l'époque, l'Église les a brûlés, ou les a menacés, l'Inquisition et tout ça. » Alors que les théories que ces gens-là défendaient, aujourd'hui sont prouvées comme étant fausses. Hein? La notion que, par exemple, Galilée avait de l'univers, puis la notion que Copernic avait de l'univers à cette époque-là, eh ben, aujourd'hui, les scientifiques ont dit non, ce qu'ils disaient à cette époque-là, c'était pas correct. Même, comment il s'appelle l'autre anglais, là? Celui qui avait une pomme qui est tombée sur sa tête, là. Newton. Et Newton, oui c'est ça, Isaac Newton, bon, ces gens-là, c'est des gens qui avaient élaboré des trucs, ils avaient imaginé les choses d'une façon, et soi-disant, ils voulaient opposer l'Église, mais il y a des gens qui voulaient utiliser ces théories-là qu'ils avaient développées comme un argument pour combattre ou pour s'opposer à la religion.
Et puis c'est à cause de ça que ça fait des conflits, malgré que c'était pas vrai ce qu'ils enseignaient à l'époque, c'était pas correct, d'accord. Mais c'est pour dire que aujourd'hui il y en a aussi qui vont utiliser n'importe quelle découverte scientifique comme un argument pour opposer la religion, alors qu'il n'y a pas d'argument, puis qu'aujourd'hui ils le considèrent vrai, puis peut-être que dans 100 ans encore on va réaliser que c'était des choses qu'ils avaient imaginées qui n'étaient pas correctes. Donc c'est pour ça que je dis, ces gens-là, la plupart du temps, c'est des gens qui voulaient juste déstabiliser, parce que déjà à la base on sait que les croyances des chrétiens, c'est ça le plus important à comprendre, c'est que les bases et les fondements du christianisme sont faux, sont basés sur des faussetés, la Trinité, la croyance que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu, ça, déjà ça c'est la base de la religion. Et elle est fausse. Donc, tout le reste, logiquement, il est faux également. Il est basé sur le faux. Tandis que dans l'islam, il n'y a pas ça. À l'islam, la base, elle est là, elle est ferme, elle est solide, c'est la vérité. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ça, il n'y a personne qui peut le changer, qui peut jouer avec. Hein? Sauf les gens qui essaient de jouer avec, hein? Qui essaient de changer la réalité de ça. Et donc, pour nous, le problème de la science, ça ne se présente même pas. Pour eux, déjà, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 dans leur religion. Ça, c'est contraire même à la base des mathématiques. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un conflit entre la science et la religion, à cause du fait que leur religion, à la base, elle est fausse. Et quand tu retournes à leur texte, il n'y a rien pour supporter ce mensonge-là. Et ces faussetés-là, c'est de là que vient le conflit avec la science. C'est pas des autres affaires. C'est que le fait que la Terre soit ronde ou pas ronde, c'est pas une question de croyance dans la Bible. Il n'y a rien dans la Bible qui dit aux gens, croyez que la Terre est plate. Même si eux, ils en ont fait une histoire par la suite, parce que l'Église avait défendu cette théorie-là, hein. Et l'Église est soi-disant infaillible. Et elle a une autorité divine, donc elle parle au nom de Dieu, puis elle défend des théories fausses. C'est pour ça qu'il y a un problème pour eux. Mais pour nous, on n'a pas ce problème. S'il y a un savant de l'islam qui dit que la terre est plate, c'est sa fatwa, lui, c'est son ijtihad. Ça ne retombe pas contre la religion, ni contre l'islam, ça retombe sur lui-même. Il a fait une erreur. Mais pour eux, que le pape dise ça ou que l'église décide ça, ça crée un gros problème, parce qu'elle parle au nom de Dieu, elle est supposée d'être infaillible, on n'a pas ce problème-là, nous. Et c'est pour ça que nous, quand on parle à des koufars, on doit leur expliquer ça de cette façon-là, et non pas rentrer avec eux dans les théories et dans les explications scientifiques, parce que eux, par la suite, ils peuvent s'imaginer que le Coran, c'est un livre de science. Et j'ai lu un livre d'un kafir qui essaie de réfuter Maurice Bucaille dans son livre, hein. Exactement. Et là, il montre que le Coran, il y a des versets où Suleyman, il parle à des fourmis. Et là, après, il va dire, est-ce que vous allez dire que c'est un livre de science, que les fourmis, ils parlent, et que Suleyman, il parle, et des choses comme ça. Donc, là, il dit, regardez, ça, c'est pas scientifique. Et c'est vrai, c'est pas scientifique, ça, c'est le rêve. Ça, c'est des choses qui ont rapport avec l'iman de le rêve. L'iman d'Allah, wa malaikati, wa kutubihi, wa rusulihi. C'est pas un livre qui est basé juste sur des faits scientifiques, des choses de 1 plus 1 égale 2, non. Il y a des choses, mais la base de cette religion-là, elle est basée sur une preuve, sur un fondement que aucune logique ne peut détruire. C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pardon. Ouais, ils parlent avec leurs chiens et leurs chats, ouais, aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire. Mais, sauf que ça, c'est Allah qui a donné ce pouvoir-là à Suleyman, hein, d'accord, mais c'est pour vous dire que c'est pas un livre de science, le Coran, c'est pas une affaire de débat scientifique, hein, et donc il y a des koufars maintenant qui ont écrit des livres pour dire non, c'est pas vrai ces trucs-là, c'est ci, c'est ça, c'est des interprétations, donc, wallahu a'lam, moi je préfère même pas utiliser ça, ces arguments-là. Non. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Amis, le vrai défi qu'Allah avait donné aux mushrikines à l'époque du professeur Hassan, c'était le défi de produire une ayah ou un verset
pareil au Coran. Hein? Et il y a un gars en France, je pense d'origine maghrébine, mais je ne sais pas de quel pays, en tout cas, il s'appelle Mohamed, il s'est même appelé Mohamed Pascal, quelque chose, en tout cas. Ce gars-là, c'est un mulchid, hein. Il pense qu'il va inventer un nouvel islam. Et il a dit, moi j'ai réussi à créer un verset meilleur que le Coran. Vous savez qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené le verset qui dit, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, le verset dans le Coran dit, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Lui, il a dit, moi j'ai fait un meilleur verset que celui-là. وَمَكَرُوا وَلَمْ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مِنَ الْمَاكِرِينَ. C'est des bêtises, hein. Comment ils ont écrit ça? Mais juste le fait de dire ça, c'est coffre en soi. De prétendre que tu peux faire quelque chose égal à la parole d'Allah. Oui, c'est ça. Ou ya wabr, ya wabr. C'est ça, c'est Moussaïlama, Al-Kadhaf. Oui, c'est ça, Moussaïlama, Al-Kadhaf qui essaie d'amener des choses semblables. Donc Allah il dit, et ils ont rusé, ils ont fait des complots, ils ont comploté, et Allah a comploté, et Allah est le meilleur des comploteurs. Lui, il n'a pas été satisfait de ce verset-là, il n'a pas aimé ça. Alors il a fait sa propre version, et ils ont comploté, et Allah n'a pas comploté, et Allah est meilleur que les comploteurs. Donc lui, il n'aime pas ça, il n'aime pas que Allah s'est décrit comme il s'est décrit dans le Coran. Hein? Il n'a pas compris, mais même s'il avait compris, il fait la même chose que les Mu'tazila et les Jahmiya. Hein? Allah, il s'est décrit avec des attributs et des noms, et eux, ils ont dit non, Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut pas être tel qu'il est décrit dans ce livre. Donc, pour eux, c'est comme une Algérienne en Algérie, une laïque, elle disait que c'est Khalida Mas'oud, elle s'appelle. Elle disait, moi j'ai une idée beaucoup plus belle de Dieu que ça, beaucoup plus noble que ça. Je ne peux pas avoir l'idée d'un bédouin arabe dans le désert avec les chameaux esclavagistes. C'est comme ça qu'elle parle. Hein? Donc, comment des gens comme ça, ils s'imaginent qu'ils peuvent avoir des plus belles façons de croire en Dieu et des meilleures compréhensions de qui est Dieu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les Anbiya, que tous les prophètes d'Allah, ils ont décrit Allah. Et eux, ils disent non, cette façon de comment Dieu s'est décrit lui-même, ou comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah, nous on n'y croit pas, ou on l'accepte pas, c'est pas une vision humaniste de Dieu. Hein. Eux, ils veulent un Dieu qui accepte tout le monde tel qu'il est, et qui aime tout le monde tel qu'il est. Allah, un Dieu qui aime le kafir, un Dieu qui aime l'homosexuel, qui aime le voleur, qui aime le tueur, un Dieu qui accepte tout le monde malgré qu'il est dans l'égarement. Hein, et qui acceptent tout le monde. Hein, c'est ça ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça qu'ils n'aiment pas le Coran, et ils n'aiment pas Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il est. Ils veulent se faire un Dieu sur mesure. Hein, c'est ça ce qu'ils veulent, un Dieu sur mesure qui rentre dans les limites de leur plaisir et de leur passion. Hein, c'est ça ce qu'ils cherchent, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nasal Allah al-afiyah. Et après le cheikh il dit فأوثق التفاسير, est-ce qu'on a fini? Oui, on a expliqué ça. فأوثق التفاسير هو تفسير ابن جرير وكذلك تفسير ابن كثير وكذلك تفسير البغوي. هذه كتب موثوقة تنهج منهج السلف وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة وما عداها فهي خلط. وكل مفسر له اتجاه فبعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان وبعضهم يتجه إلى البلاغة كالزمخشري وبعضهم يتجه على الأحكام الفقهية كالطبري نعم. Donc le cheikh il dit que le plus fiable parmi les tafsirs, c'est le tafsir d'Ibn Jarir, puis ensuite le tafsir Ibn Kathir, et également le tafsir de l'imam al-Baraoui. Tout ça c'est des livres qui sont fiables, et qui sont, c'est-à-dire ils sont établis sur la voie des salafs.
okay, le tafsir du Coran, hein, de, des méthodes et de la façon qui, des façons qui sont connues dans, dans les méthodes de tafsir qui sont acceptées. Toutes les autres façons, en dehors de ces façons-là, sont incorrectes. Puis, il y a des savants de tafsir qui ont différentes, disons, des différents points sur lesquels ils se sont concentrés dans l'élaboration de leur tafsir. Il y a des savants de tafsir qui se sont concentrés sur l'aspect linguistique de la grammaire, comme Abi Hayyan al-Andalusi. D'autres se sont concentrés sur, comme le frère a dit, la rhétorique, al-balara en arabe, c'est l'imam al-Zamakhshari. Et d'autres se sont concentrés sur les questions qui ont rapport avec les règles de fiqh. Donc, il explique le Coran en général, mais quand il arrive sur une ayah qui a un rapport avec les règles de fiqh et l'adoration, là, il s'y arrête plus longtemps et il élabore en profondeur sur ces questions-là. Donc ça, c'est tafsir al-Qurtubi, qui a rapport avec ce genre de tafsir. Et le cheikh, il dit ensuite, il explique, il dit « وَعَنْ سُفْيَانَ قال وعن سفيان سفيان هذا يحتمل أنه سفيان بن عيينة الإمام المشهور ويحتمل أنه سفيان الثوري وهذا هو الذي رجحه الشارح وسفيان الثوري إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه وله مذهب مستقل ولكنه قرب الشيخ الزي سفيان الثوري في الإمام تخيقها إمام mais quand l'imam l'a mentionné, il a dit Soufiane, selon Soufiane, et donc c'est possible que ce soit un des deux Soufianes qui sont célèbres, parce qu'il y a deux Soufianes, Soufiane ibn Uyayna parmi les salafs et Soufiane al-Thawri, ok, et les deux sont des grands imams, donc ça pourrait être un des deux, mais l'imam lui il a désigné que c'était probablement al-Thawri, et Soufiane al-Thawri c'est un des imams parmi les imams dans le hadith et dans le fiqh. Et il a même son propre madhab, comme l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, et l'imam Ibn Jarir aussi, et Al-Thawri, il avait lui aussi un madhab. Et il y en avait beaucoup d'autres qui avaient des madhab aussi à l'époque. Toutefois, leurs madhab n'ont pas été préservés. Ils n'ont pas été préservés, donc on n'en a plus. On n'a pas de livre qui mentionne leur position. وعن منصور هو c'est-à-dire on peut trouver certaines traces de certaines opinions sur différentes questions qu'ils ont eues dans les livres des salafs, mais il n'y a pas des livres qui ramassent toutes leurs opinions sur les différentes questions dans l'islam dans ce sur ce plan-là parce que ces élèves n'ont pas préservé ces positions, comme les, contrairement aux autres imams. Après le Cheikh il dit, وعن منصور وهو منصور ابن المعتمر إمام جليل وثقة. Ça c'est un autre personnage dans l'isnad, c'est منصور ابن المعتمر ou معتمر, et c'est un imam et il est fiable dans le hadith. Et selon Mujahid, et Mujahid c'est Ibn Jabr, التابعي الجليل من أكبر تلاميذ ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقف عند كل آية وأسأله عن معناها وهذا هو مجاهد بن جبر من أكبر أئمة المفسرين ومن أكبر تلاميذ ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما Le cheikh il dit, et selon Mujahid, et Mujahid c'est Mujahid ibn Jabr, c'est un grand tabi'i, hein, un parmi les plus grands, parmi les élèves de Abdullah ibn Abbas, et il dit lui-même, Mujahid, j'ai lu le mushaf en entier, du début jusqu'à la fin, à Abdullah ibn Abbas, et je lui ai demandé, à chaque, et je l'ai arrêté à chaque verset, en lui demandant de me dire l'explication de ce verset-là, du début jusqu'à la fin, et je lui demande sa signification. Donc ça veut dire que Mujahid, c'est un des plus grands
imam parmi les imams du tafsir, et un des plus grands parmi les élèves de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Donc il s'appelle Mujahid. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est quelle heure? Il n'y a personne qui a l'heure? Ok, khair inshallah. Est-ce que tu as une montre? On va savoir l'heure. Non, il est quelle heure maintenant? Non, on veut savoir l'heure. Est-ce qu'il est 18 heures? Ah, ok, d'accord. Non, non. On va t'expliquer après, Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe. C'est parce que hier, qu'est-ce qui est à... Non, attends. Hier, là, on avait une grosse tempête, donc on a remis le cours à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on a avancé l'heure. Donc, là, il est une heure en avance. On a prié à 4h30, la Asr. Et le Isha, on va le faire à 7h. Le Maghreb, on va faire à 7h. Ouais. Donc, là, maintenant, il est 6h. C'est ça? Il est 6h sur ta montre? Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Il reste quelques minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, après le Maghreb, on va continuer, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici, en fait, parce que là, j'avais pas vu l'heure, hein, on est allé à fond. Ah oui, donc c'est ça. On va s'arrêter ici, puis on continue après la prière de Maghreb, bi'iznillah. On fait combat à la classe. 68. الكورس 68 أبريل مارد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.